Gaëtan, président du Lions Club de Villefranche, pour nous parler du 10e salon chocolat, vin et produits gourmands. C'est à Villefranche de Rouergue, dans l'Aveyron. Là aussi, encore, décidément, il se passe beaucoup de choses ce week-end dans l'Aveyron. Où se situe Villefranche de Rouergue? Alors, Villefranche de Rouergue se situe dans l'ouest Aveyron. On est à peu près, on va dire, à 1 heure d'Albi, 1 heure de Cahors, 1 heure de Rodez. Pour vous le situer à peu près. D'accord, donc on va dire plutôt bien situé. Et puis alors, c'est 10e anniversaire de ce fameux salon. On va dire ça comme ça, parce que c'est un salon du chocolat, du vin et produits gourmands. La 10e, ça fait un petit pincement au cœur? Oui, mais ça reste une belle histoire qui dure, qui perdure depuis 10 ans, avec toujours un bénéficiaire qui est tout le monde contre le cancer, à qui on redonne l'intégralité des recettes de ce salon. Donc c'est toujours une belle aventure pour le club et pour tous nos partenaires. Ça va se passer le 8, le 9, le 10 mars, puisque j'ai dit que c'était la 10e, avec un peu de recul, vous attendez pas mal de personnes? On espère avoir beaucoup de personnes. On a fait beaucoup de communication dessus et on a aussi cette année agrémenté notre tombola habituelle avec un super voyage à gagner. Donc, ce qui veut dire qu'en général, les gens qui venaient au salon, avec leur billet d'entrée, on leur offrait un verre pour pouvoir déguster sur les stands avec modération naturellement, mais aussi ils participaient à une tombola qui avait lieu toutes les heures, où ils avaient des petits cadeaux offerts par les commerçants qui étaient là sur le salon. Et cette année, on a agrémenté cette tombola avec un super lot, puisqu'on offre un voyage pour 2 personnes en Italie d'une valeur de plus de 1 000 euros. Ah oui, quand même, ça rigole pas. Donc voilà, l'idée, c'est de le faire quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu particulier pour nos 10 ans et inviter le maximum de monde à venir visiter notre salon et à être avec nous sur ces 3 jours présents sur le French Overg. C'est ce que je me disais, Gaëtan, on va se dire tu pendant cet échange, qu'est-ce qui fait, on sait qu'il existe beaucoup de salons du chocolat, de la gourmandise, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il faut absolument venir au tien? Qu'est-ce qui fait cette différence-là? Alors, la différence par rapport à d'autres salons qui sont faits par les unités, on va dire, commerciales, c'est que nous, on est une association, on est un club de service. Donc, ce qui veut dire que notre salon, il est fait pour redistribuer, entre guillemets, nos bénéfices et l'intégralité de nos recettes à une association qui est Tout le monde contre le cancer. Le but est vraiment de récolter des fonds pour cette association. Le but avant tout du Lions Club, c'est de servir les autres. Donc nous, toutes les actions qu'on fait, elles sont faites dans ce but-là, servir les autres et les autres associations qu'on aide. Ce qui est le fonctionnement, on va dire, du Lions Club dans sa généralité. Hein. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, on a, bien sûr, on va pas, on a sur ces 3 jours-là, il va y avoir du chocolat, il va y avoir des gourmandises, il va y avoir aussi, il y a toute une programmation qui est relativement riche. Oui, alors une programmation, on a innové aussi cette année avec la soirée du vendredi soir. On a décidé de faire une nocturne vendredi de 18 à 22 heures. Alors, ce sera une nocturne un petit peu particulière parce qu'elle va être animée par un petit groupe de musiciens de Villefranche, un chanteur et son bassiste et pianiste qui vont nous animer toute la soirée. Donc, il y aura un fond musical et en plus, il y aura de quoi se restaurer sur place. On aura un traiteur qui sera là, on a des stands qui proposent de la restauration et on aura aussi la poissonnerie des Embruns de Villefranche qui sera là et proposera des huîtres. Donc, on a voulu la soirée du vendredi soir comme une soirée un petit peu festive pour nos 10 ans. Mais ça, c'est une soirée que les gens ils payent pour venir à cette soirée-là. Comment ça se passe? Non, c'est une soirée qui, entre guillemets, est avec juste le ticket d'entrée. On a un ticket d'entrée à 3 euros pour les personnes majeures. D'accord. Pour les mineurs, on est gratuit. Donc, quand les gens arrivent, ils achètent leur ticket de 3 euros. On leur donne le verre, un vrai verre en verre marqué au nom du Lions, pour déguster sur tous les salons toutes les boissons qu'on propose les commerçants et aussi toutes les parties gourmandes et gastronomiques qui sont sur le salon. D'accord, ça veut dire que la personne qui paye, parce que moi j'aime bien tout bien comprendre, parce que aussi les gens peuvent se poser des questions. Je viens par exemple le vendredi, je paye 3 euros. Si je viens le samedi, si je viens le dimanche,
pour en profiter pleinement, tant qu'à faire. Je repaye 3 euros ou alors mes 3 euros du vendredi servent aussi pour le samedi et le dimanche? Non, c'est 3 euros par entrée. D'accord, ok. Non, mais ça, parce que c'est important de le dire quand même. Oui, tout à fait. Et donc, on peut y aller aussi en famille, je suppose. Naturellement, mais on a beaucoup de familles qui viennent, puisque monsieur et madame dégustent parfois des vins, on va dire, et d'autres spiritueux, mais les enfants adorent tous le chocolat, donc ils ont largement de quoi trouver leur compte, sachant que pour les enfants, il y a deux choses qui sont intéressantes pour eux. Il y a une fontaine au chocolat gratuite, donc où ils peuvent aller déguster gratuitement des fruits trempés de chocolat, mais aussi on a un petit jeu, une chasse au trésor qu'ils ont à faire dans le salon. On leur donne une feuille à l'entrée, ils ont quelques énigmes à résoudre et ils vont aller découvrir des lettres cachées sur certains stands. Et une fois qu'ils auront trouvé toutes ces lettres, ils vont créer un mot et ce mot leur permettra d'ouvrir le trésor. Et on a une malle pleine de petits trésors pour eux et de cadeaux qu'on leur offrira. Oui, mais ça c'est super sympa. Et puis alors il y a aussi, parce que bien sûr on ne va pas dire tout le programme du samedi, du vendredi, du samedi, du dimanche, parce que ça serait trop long pour nous, mais le samedi et le dimanche, il y a aussi des ateliers. Tout à fait. Il y a des ateliers où des professionnels vont venir partager avec tous les gens qui seront là leur savoir-faire. Il y a un atelier, par exemple, sur la confiture. Il y a une dame qui a été championne de France de confiture qui va faire un atelier confiture. Après, il y a un autre atelier qui est fait par les élèves du lycée Saint-Joseph à Villefranche, du lycée hôtelier. Eh oui, chocolat et texture, ça s'appelle chocolat en texture. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui fait que ce salon-là, il est complètement original. Et puis, on rappelle, alors là, c'est quand même le summum. Ça veut dire un lot à gagner sur les stands toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes, c'est un truc de dingue. Et puis, bien sûr, le voyage pour deux personnes à la fin, en fin de salon. D'où viennent toutes ces idées? Alors, ces idées viennent de la commission du salon. On est à peu près une dizaine de personnes à se réunir une à deux fois par mois en fonction des besoins, pour travailler et avancer sur la réalisation proprement dite de ce salon. Ce salon, pour nous, c'est plusieurs mois de travail assidu avec une équipe resserrée qui travaille sur ce salon d'année en année, on va dire, et qui essaye tous les ans de l'améliorer. Et les propriétaires des stands, ceux qui prennent justement ces artisans qui viennent, vous essayez, vous avez une sélection, vous les reprenez systématiquement, vous essayez de faire aussi rentrer des petits nouveaux qui peuvent être là parce que ça peut leur faire une belle image. Oui, tout à fait. Alors, on a un petit peu les deux. On a des gens habitués qui viennent d'année en année et qui reviennent et qui bloquent la date, qui pour nous est tous les ans à peu près 3 semaines avant Pâques. Et on a aussi des nouveaux, sachant que chaque fois, on attache une grande importance à ne pas mettre des gens en concurrence. Si par exemple, il y a quelqu'un qui fait des cannelés, il n'y en aura pas deux. Si on a un vin de Cahors, on va en avoir un, on ne va pas en prendre quatre, ce n'est pas le but. On a une gastronomie et une richesse au niveau de toutes les boissons, au niveau local et France, pour dire d'éviter de mettre des gens en concurrence. Oui, non, mais ça c'est bien, c'est important. Voilà, tout à fait. Le but est que tout le monde puisse trouver son compte et que chacun soit content dans son salon. Et voilà. Aussi que tous les visiteurs trouvent quelque chose d'intéressant pour eux. C'est pour ça que ça reste malgré tout un salon qui est varié. Il n'y a pas que du vin, il n'y a pas que du chocolat. Il y a un mixte entre chocolat, vin et produits gourmands. Et oui, c'est ce qui fait la richesse, parce que c'est ça qui est très important. Donc, on l'a bien compris. Et ça représente environ combien de stands? On a une quarantaine d'exposants. Ah oui. On pourrait en avoir plus, mais ce qui nous limite, c'est la taille de la salle des fêtes de Villefranche. Eh oui, parce que forcément, il faut faire le plan pour les exposants. Il y a aussi la sécurité, c'est important. Et oui, tout à fait. Les allées assez larges pour que les gens puissent circuler, être tranquilles, pouvoir bien regarder tous les stands. Donc voilà, on est limité à peu près à une quarantaine d'exposants vu la configuration de notre salle des fêtes. Et je suppose que pour faire un tel événement, même si c'est la dixième c'est l'anniversaire, bien sûr, elle est un petit peu plus spectaculaire que les autres, c'est tout à fait normal. Mais je suppose qu'on fait aussi appel, même le Lions Club, à des partenaires, qu'ils soient privés ou publics, non? Alors, nous, au niveau de notre club, Lions Club de Villefranche, on a 150 partenaires environ qui nous suivent tous les ans, qui nous aident et nous soutiennent dans nos actions. On a un livret partenaire qu'on réalise tous les ans, dans lequel ils prennent des encarts. Et c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à vivre et faire toutes ces actions. Car sans nos partenaires, on ne pourrait pas exister comme on existe aujourd'hui. D'accord.
Et il y a des partenaires qui vous suivent depuis maintenant longtemps, longtemps. Je suppose qu'il y a des nouveaux aussi qui viennent. Voilà, tout à fait. On a des partenaires qui nous suivent depuis des années et des années. Et on a tous les ans des nouveaux. On en a quelques-uns qui arrêtent, mais c'est plutôt rare, on va dire. On a plutôt tendance à avoir la chance d'avoir des partenaires fidèles et qui nous suivent d'année en année, qui reconduisent nos partenariats. Bon, bah écoute, ça c'est plutôt pas mal. Et puis on sait, hein, les valeurs du Lions Club, on rappelle, hein, c'est pour une association, donc c'est important d'y aller, c'est important, pourquoi pas, de faire un don, parce que je suppose que les gens, ils peuvent aussi faire un don. Bien sûr, tout à fait. Les dons sont toujours libres. Et nous, il y a surtout la chose fondamentale qu'on dit à chaque fois, c'est pour nous, c'est 1 € récupéré, c'est 1 € reversé. Le fonctionnement du club n'a rien à voir avec toutes nos actions. Ce sont nos cotisations qui font fonctionner le club et nos actions ont une comptabilité indépendante. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir ce résultat-là. Il n'y a pas de frais de fonctionnement dans nos actions. D'accord, non, mais c'est important de le souligner. En tout cas, Gaëtan, il est nickel chrome, hein, il est carré de chez carré. On rappelle que c'est bien sûr au profit de tout le monde contre le cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une association locale qui va recevoir cet argent. Vous l'envoyez directement. Comment ça se passe? Alors, Tout le monde contre le cancer, c'est une association qui est partie de Villefranche, qui a maintenant de nombreuses années d'existence, qui fait beaucoup d'actions dans des hôpitaux et dans plein de lieux différents, avec principalement des actions pour des enfants et leurs familles, pour les soutenir dans le cas du cancer infantile. Donc, tous les ans, on fait un chèque, très important, on va dire, à cette association, qu'on leur remet soit à Villefranche, soit sur des actions qu'ils font des fois à Paris ou ailleurs. On est invité à leurs actions et on en profite pour leur remettre ce chèque-là tous les ans. Parfait, voici une bonne action si vous êtes dans le coin ce week-end. 10e salon chocolat, vin et produits gourmands, c'est à Villefranche-du-Rouergue. Dans l'Aveyron, c'est du 8 au 10 mars. Et nous étions avec Gaëtan, le président du Lions Club de Villefranche. Et puis d'ailleurs, on va saluer tous les autres Lions Club parce qu'il y en a énormément. Dieu sait qu'on en fait passer pas mal pour vous mettre en valeur. Merci beaucoup, Gaëtan. Et puis alors, on précise, hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est à l'abri, hein. Oui, tout à fait, pas de problème. Donc, pas de problème météo. Pas de souci. Allez, merci beaucoup, Gaëtan. Merci à vous.